Salut les amis, ici Nassim pour la chaîne YouTube Apprendre le français avec Nassim. Donc bienvenue à vous. Aujourd'hui, je vous emmène, je vous prends avec moi pour visiter la formation, le contenu de la formation Parler français facilement en 60 jours. Donc nous allons visiter l'intérieur de l'espace membre. Parler français facilement en 60 jours. Donc, après vous être inscrit, eh bien, vous avez donc la page pour créer votre compte. Donc, créer votre compte, vous avez besoin pour cela de mettre votre email, ensuite votre mot de passe et vous reconfirmez votre mot de passe. Ensuite, vous cliquez sur créer votre compte et là vous êtes donc membre du club Parler français facilement en 60 jours. Alors je vous dis pourquoi j'ai appelé cette formation aussi club privé Parler français facilement en 60 jours parce que ce n'est pas seulement une formation avec du contenu et puis c'est tout. Non, dans ce club privé, vous avez un accès, bien sûr, à mon email ici. Vous pouvez me poser des questions quand vous voulez et je vous répondrai pour vous aider. Bien sûr, vous avez aussi donc, qui dit privé, eh bien, un groupe Facebook privé. Donc, un groupe Facebook privé, c'est seulement pour les membres de la formation Parler français facilement en 60 jours. Dans ce club privé, dans ce groupe Facebook privé, vous pouvez communiquer, vous pouvez parler avec d'autres apprenants, d'autres élèves de la planète entière. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions dans ce groupe privé. Vous pouvez aussi aider d'autres personnes. Et moi, je suis aussi un membre actif de ce groupe Facebook privé. Et je vous donne aussi du contenu exclusif seulement pour vous. Voilà, donc ça c'est une première chose. Alors dans cette formation, vous avez donc différents modules sur différents thèmes concernant la France, la francophonie et donc aussi sur les Français en général. Donc, cette formation, c'est basiquement pour des apprenants qui ont un minimum le niveau B1. Alors, c'est pour des gens qui veulent aller vers un B2, éventuellement aussi vers un C1. Donc, si tu as le B1, tu peux commencer cette formation. Cela sera très intéressant pour toi. Tu vas développer ton français au niveau vocabulaire, au niveau conjugaison, grammaire, expression orale et compréhension orale. Ça, c'est très important. Automatiquement, tu vas développer aussi ton expression écrite. Je vais te le dire pourquoi, parce qu'il y a des exercices. Mais avant tout, je vous montre exactement, concrètement, ce qu'il y a dans la formation. Alors, vous avez une vidéo ici qui dure en général entre 10 minutes et 20 minutes. Vous faites play, voilà, donc la vidéo se met en marche. Vous avez donc les sous-titres de la vidéo. Donc, vous avez le texte de la vidéo, le vocabulaire de la vidéo, le podcast de la vidéo. Et le podcast, donc le MP3 du vocabulaire, et aussi des questions de compréhension orale avec leurs solutions. Donc c'est ça qui est très intéressant ici, c'est que vous utilisez plusieurs moyens, plusieurs outils pour développer votre français. Donc le niveau parlé dans cette formation, comme je vous l'ai dit, c'est un minimum B1. Il y a beaucoup de vocabulaire compliqué et moi, je vous l'explique. Alors, on y va. Vous avez la vidéo. Donc, voilà, la vidéo commence. Vous avez aussi
Le podcast. Donc, le podcast, c'est très intéressant si vous êtes en voyage ou si vous êtes dans le bus, par exemple. Eh bien, vous pouvez écouter la vidéo en version MP3, en version audio, parce que cela ne prend pas beaucoup de données Internet. Voilà, vous avez réussi votre CV et votre lettre de motivation. Vous les avez envoyées et peut-être que maintenant vous avez reçu un rendez-vous pour un entretien d'embauche. Si ce n'est pas le cas, attendez, cela va arriver, ne vous inquiétez. Voilà, donc ça c'est le podcast. Ensuite, vous avez donc, comme vous le voyez ici, des mots qui sont surlignés en jaune. Donc ça, ce sont des mots compliqués que j'explique. J'ai choisi des mots pour vous, hein, et je vous les explique dans le vocabulaire. Par exemple, le mot recrute, hein, donc c'est un verbe, et c'est pour ça que j'ai mis un V entre parenthèses pour verbe. Je vous mets l'infinitif recruter, donc c'est engager pour participer. Alors d'ailleurs ça, je le lis. Vocabulaire, entretien d'embauche. Attendez, attendre, patienter le temps que quelque chose arrive ou que quelque chose se passe. Voilà. Donc ça, je voulais classifier en plusieurs parties. Hein, comme ça, c'est plus simple pour retrouver les mots. Et donc, je vous explique des mots de vocabulaire. C'est soit je vous donne la définition, soit je vous donne des synonymes ou des antonymes. Donc, c'est le contraire du mot. Ça, c'est pour vous aider aussi à développer votre français. Alors, vous avez des questions de compréhension orale. Ce sont des petits tests. Voilà. Hein, c'est des tests de 1 à 10, 10 exercices. Généralement, c'est 10 exercices, 10 questions, des fois plus. Et donc, ici, vous avez les questions et ensuite, vous avez les solutions. Voilà, en rouge, c'est ce que vous auriez dû mettre. Ce sont les réponses. Et comme ça, vous pouvez comprendre ce que vous n'aviez pas compris, tout simplement. Hein? Donc, cette formation est très complète. Elle va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Si vos objectifs, c'est une intégration en France, eh bien, cette formation, elle va vous donner des techniques, des astuces, des conseils pratiques pour vous installer en France sereinement, donc paisiblement. Pourquoi? Parce que je vous donne des conseils ici qui parfois mettent vraiment du temps à être compris quand on arrive en France. À cause de la différence de culture, bien sûr, à cause de la barrière de la langue, mais ce sont souvent des choses, des coutumes, des traditions, des mentalités qui sont différentes en France et en comparaison avec votre pays d'origine. Donc ici, j'ai choisi des thèmes qui sont bien typiquement français, mais si tu n'as pas l'objectif d'aller vivre en France, ces vidéos, ce contenu peut aussi être intéressant parce que je parle beaucoup de choses culturelles de la France. Si la France t'intéresse, eh bien, on parle par exemple de comment s'organiser pendant les grèves en France. Vous savez, les grèves, c'est quelque chose de très important en France. Ce que vous devez savoir sur les jours fériés en France, le permis de conduire en France, communiquer avec des Français. Alors, je vais vous dire tout. Vous avez donc ici en premier temps l'introduction. Là, je vous explique le mode d'emploi de cette formation. OK. Ensuite, vous avez donc un module qui s'appelle communiquer avec des Français. Comment vous présenter clairement et créer votre CV? Donc pour les gens qui recherchent du travail en France, ça va vous aider. Comment faire une lettre de motivation efficace? Comment réussir votre entretien d'embauche? Comment passer votre permis de conduire en France? Donc ça, ce sont des thèmes qui sont bien précis. Je les ai choisis parce que, il y a beaucoup de vocabulaire qui va vous permettre de vous aider à développer votre français quand vous vous installez en France, mais aussi
quand vous travaillez avec des Français. C'est très important de connaître ces choses-là, comme par exemple comment passer votre permis de conduire. Vous allez apprendre plein de choses autour de la voiture, du permis de conduire, comment économiser de l'argent, parce que je vous donne des techniques pour gagner du temps et gagner de l'argent quand vous passez le permis de conduire. Aussi, vivre en France, ce que vous devez savoir sur la société française. Donc ça, c'est très important pour la culture et pour l'intégration. Comment trouver un appartement en France avec l'exemple de Paris? Donc je prends des exemples précis et je développe des exercices du vocabulaire autour d'un thème. Ensuite, vous avez donc comment s'organiser pendant les grèves en France, ce que vous devez savoir sur les jours fériés en France. Et les deux derniers modules pour le moment, comment organiser efficacement vos vacances en France? Et enfin, comment négocier votre salaire en France, en français, pardon, à l'embauche. Donc ici, ce sont tous les contenus pour le moment. Et avec le temps, je vais intégrer d'autres contenus. Hein, on va continuer. Pour le moment, il y en a 12, enfin 12 avec l'introduction, et on va continuer à 13, 14, 15, etc., selon les besoins de l'espace membre, de la communauté de l'espace membre. Hein. Donc ça, c'est un club privé, et vous pouvez demander d'autres thèmes, et je vais les intégrer avec le temps, comme ça, avec des exercices, du vocabulaire, et on pourra en parler dans le groupe Facebook privé pour répondre aux questions. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à secretdefrançais@gmail.com. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.